Salut Hélène. Comment ça va? Salut. Génial. Où est notre photographe? C'est moi le photographe aujourd'hui. Ah, ah, ah. Et comment va ce bébé? Très bien. Tant mieux. Il est en pleine forme. Oui, et sa mère aussi, je vois. C'est ici. Allons-y. Salut. Salut. Hélène, toi, tu restes là. Police, ouvrez, s'il vous plaît. Ouvrez cette porte. Il y a une chaîne. On peut ouvrir la porte que de l'intérieur. Vas-y, enfonce-la. Jésus. Hélène, ça va, tu peux venir. Mais tu te rends compte qu'il s'agit d'un vrai revolver? Oh. Maman a dit que je ne devais laisser entrer personne. Ah, tu sais que c'est quelque chose de très dangereux. Ce bébé n'est pas en forme, j'appelle une ambulance. D'accord, alerte aussi le service social et emporte quelques vêtements et de la nourriture pour les deux enfants. Oh. Et toi, comment t'appelles-tu? Andy. Andy, ok. Tu sais où se trouve ta maman? Oh, bébé, oh, bébé. Elle est partie depuis longtemps? Oh. Oh, ça va aller, ça va aller, t'inquiète pas. Ah, accroche-toi. Ah, ah, ah. Tiens-toi bien, tu es sur ton cheval. Oh. C'est toujours comme ça. Ouais. Andy est sur son cheval. Allô, encore, voilà. Ah, ah. Oh, bon sang. Oh, mon dos. Ok. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas aller conduire ta sœur à l'hôpital, d'accord? Tu as déjà été dans une ambulance? Oh, génial. Torf, tu veux bien le surveiller? Oui. Dis donc, tu as remarqué les coups qu'il a sur les bras? Oui. Ça doit faire quelques jours qu'ils sont à mon avis. Ah. Le concierge dit qu'ils sont seuls depuis un certain temps déjà. Dis-nous, Marc, au conseil municipal, quelque chose à signaler? Oui, on vota à propos de l'augmentation de 2% de l'impôt foncier. Le détail du vote? 7 pour, 2 contre. Il n'y a eu qu'une seule abstention. Je crois que j'ai deviné de qui Merci. Il s'agit. René, qu'est-ce que tu as de neuf? Voilà, c'est un gars qui, le jour de son anniversaire, abat sa gamine d'un coup de pistolet. Oh. Elle s'était cachée dans une armoire pour faire une surprise à son père. Mais lui, bang, il a tiré croyant que c'était un voleur. Ça fait quoi, une demi-page? Un quart de la première. Et nous avons une photo couleur du cadavre de la petite. En première page? Ouais. Alors un tiers de page et tu supprimeras la photo du corps. J'aimerais que tu trouves une photo un peu moins racoleuse. Ok, quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Oui, moi, je suis en train de faire une enquête sur les enfants délaissés. Toi, tu la fermes. Bon, nous l'insérons au supplément, Hélène. Ça y est, j'ai travaillé très dur sur cet article. Je m'y suis investie de toutes mes forces et de toute mon âme. Entendu. Laisse-moi jeter un coup d'œil sur ton enquête et... Et elle sera destinée au supplément. C'est probablement là qu'elle sera publiée, en effet. Ok, c'est l'heure. Merci à tous. Or, une dernière chose, à partir de ce soir, Hélène sera enfin en repos de maternité. Alors je vous suggère de lui souhaiter bonne chance. C'est gentil. Oh, et personne n'utilise son bureau, c'est d'accord? Oh, j'en suis très touchée. Allô? Alors? Les oursons sont mignons? Si tu voyais, je pense qu'il y a plus de petits oursons ici que dans un parc national. Oh, mais ça donne très très bien. Je sens que tu vas adorer. Tous les morceaux correspondent au moins. Tu sais, tu ne dois les encoller que lorsque tu les as tous ajustés. Oh, ne t'inquiète pas. Je te jure que je maîtrise la situation. Tu vas être enchanté. Tu rentres bientôt, chérie. Tu as l'air bien impatient. Écoute, je dois avouer que je n'ai pas très envie que tu accouches dans l'ascenseur. Tu es fou. Bah alors, tu vas bientôt rentrer. Oui, je suis presque partie. Thank you.
Salut, vous deux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Jay? Rien, je viens juste réclamer mon pognon, c'est tout. Ne bouge pas! Reste sur le lit. Qu'est-ce que tu veux? Alors, où est ton bébé, Ambre? J'ai plus mes enfants, Jay. C'est la police qui s'en occupe. Ouais. C'est tout à fait normal quand on laisse deux gosses tout seuls dans ce taudis, enfermés, alors que toi, tu te fous la santé en l'air en compagnie de ceux dégénérés. Tu dois me le rendre, tu dois me rendre le bébé. Assieds-toi et ferme-la. Tes gosses ne reviendront pas, Ambre. Tu as pigé, tu ne récupéreras pas tes enfants. D'ailleurs, je n'aurai jamais mon fric, moi non plus. Tout ça, parce que tu te défonces. Je veux récupérer mon pognon. Est-ce que c'est clair? Je te reverrai un de ces jours, Bruce. J'ai une surprise pour toi. Ben oui. Concentre-toi. Je n'aime pas ça. De la part de mes élèves. Moi, je m'amuserai avec votre bébé. Oh, c'est une petite fille. T'es vraiment pas observatrice, c'est une chaussette. Maman. Dis donc, il lui manque un œil à ta chaussette. Je crois qu'il est dans ma poche. Ouais, c'est qu'il est tombé dans mon autre poche. C'est lui qui t'a conseillé pour mettre le papier au mur? Oui, je t'ai bien aidé, n'est-ce pas? Non, mais pourquoi elle nous croit jamais? C'est pas vrai. Je t'avais pourtant bien dit de ne pas encoller avant d'agencer les morceaux. Allô? Hélène, on a retrouvé la mère. On est devant chez elle. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. Oui, bien sûr, après ce qui s'est passé hier. Il n'est pas question que je manque ça. Merci. Faut que je sorte. Qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est une très longue histoire. Attends une minute. T'es en congé de maternité, Hélène. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites avec cette saleté, hein? Vous savez que c'est très dangereux pour vos enfants. Ok, on se retrouve dehors. Debout! Allez! Allons-y. Dehors. C'est Cindy, réponds. Ok, essaie de te relever. Relève-toi. Ça va. Thor, appelle vite une ambulance! Allez-y.
examiner. On n'arrive pas à stopper l'hémorragie, je crains le pire. Oui. Je pense qu'il faudrait la transporter dans un autre hôpital. Vous n'y songez pas, c'est à plus de 20 minutes. Écoutez, essayez de comprendre, la maternité est saturée pour le moment. Vous avez tout intérêt à la transférer. Vous ne vous rendez pas compte qu'elle pourrait perdre son bébé. Les urgences, oui. Excusez-moi. Service des urgences. Oui. Une fois qu'on a la carotte, on n'a plus qu'à l'attacher. Vous voyez, elle sert de récepteur. Ensuite, on prend le lapin et on met le lapin près du berceau du bébé. Comme ça. Trevor, tu attrapes? Ok. Dis quelque chose. Va te faire cuire un œuf. Trevor, ce n'est pas vraiment le langage d'un bébé. J'ai pas l'habitude de faire parler les lapins en plus, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a? L'hémorragie continue, surveille le rythme cardiaque. Toujours plus faible. Je sais. Il faut que vous m'aidiez. Vous allez pousser maintenant, d'accord? Vous allez pousser très fort. Allez-y. Allez-y, poussez. Poussez encore. Poussez. Poussez. Encore, très bien. Poussez encore. Vous devez expulser ce bébé. Allez-y. Continuez, poussez encore. Vous ne devez pas vous arrêter. Continuez de pousser, allez-y. Ce bébé doit sortir, il faut qu'il sorte. Ne t'inquiète pas, Hélène, tout va bien se passer, ok? David va arriver dans un instant. Il sera bientôt à tes côtés, t'inquiète pas, Hélène, d'accord? Ça va aller, tu verras, ça va aller, c'est presque fini. Ça va aller. Attendez. Je voudrais voir mon bébé. N'a pas tenu le coup. Attends, tu veux dire que le bébé est décédé, c'est ça? Je peux juste confirmer que le bébé n'a pas tenu le coup, c'est tout. Cindy, Cindy, qu'est-ce qu'elle a? Ça a l'air assez grave, David. Où est-elle? On vient de la transférer en chirurgie. Que vous faites? Restez calme, ça va aller. État de la patiente? Stable. Une petite hémorragie interne et un léger état de choc. Bonjour, docteur Mathieu Britten. Ne parlez pas. Si je vous fais mal, contentez-vous de faire un signe de tête. Ok. On met une perf. Écoutez, Hélène. Je vais devoir vous faire une césarienne. Vous allez bientôt vous endormir.
Hélène, notre bébé. Nous avons perdu notre bébé. Pas de bébé. Pas d'argent. Tu dois me rembourser. Écoute, il va falloir que tu attendes avant d'avoir ton fric. Regarde. Qu'est-ce que t'en penses? Il te convient? J'aurais voulu une fille. Pourquoi? Ça ne fait aucune différence. Je voudrais le voir d'abord. Quel âge a-t-il? À peine 3 heures. 3 heures? Et qui est la victime? Disons que l'enfant de Sou est revenu parmi nous dans la peau d'un garçon. Il n'a pas de déficience? Aucune. Je voudrais le voir, c'est faisable? Mia l'a repris auprès d'elle. D'accord. Madame Wagner? Oh, oh, Harry! Oh mon Dieu, regarde! J'ai un petit cadeau pour vous. Oh, il est magnifique! Merci. Oh mon Dieu, ce qu'il a l'air fragile! Oh. Et ce déjeuner? Je pense que vous devriez manger. Aujourd'hui, vous allez rentrer chez vous. À la maison, vous essayerez de vous reposer et d'éviter tout stress. Ne recommencez à travailler que dans 2 mois. Je vous laisse. Faites attention à vous. Au revoir. Bonjour, Hélène. Bonjour, docteur. Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je suis navrée d'avoir à vous annoncer ça, mais les nouvelles ne sont guère réjouissantes. Une autre mauvaise nouvelle. Vos lésions ne vous permettront probablement plus d'avoir d'enfants. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Qu'est-ce que vous faites encore, vous deux? On se battait, ça se voit pas? Ouais, on
faisait très attention. De mon temps, on recevait des coups de fouet, alors attention. Ouais, je sais, on vous obligeait à faire 3 km. Exact, et à pieds nus. On en reparlera chez le directeur. Allez-y, filez. David, je veux un enfant. Oui, mais pourquoi songes-tu à l'adoption? Je trouve qu'il est encore trop tôt, chérie. Écoute, il n'y a rien qui presse. On a réussi une fois, on y arrivera à nouveau. Je veux un bébé tout de suite. Hélène, toute la journée, je dois éduquer les mômes des autres. Je voudrais un jour avoir un enfant que j'élèverai à ma manière. Tu trouves que c'est ma faute, je sais. Non. Est-ce que je l'ai dit? C'est ce que tu crois. T'ai-je fait une seule critique? Je la lis dans tes yeux. Salut. Alors, ça va toi? Oui, moi ça va. Et toi, comment te sens-tu? Ça va, merci. Génial. Il faudrait que je finisse cette enquête. Oh. Tu sais, c'est une vieille affaire. C'est une histoire très édifiante. Oui, peut-être bien, mais... Hélène, c'est déjà de l'histoire ancienne. Écoute, tu viens juste de revenir. Alors je crois qu'on devrait discuter toutes les deux. Viens dans mon bureau et je te ferai part des différents changements. C'est bien que tu sois revenue, ça me fait très plaisir. Merci. D'accord. Oui. Attends une seconde, tu permets? Oui. Excuse-moi, je voudrais... Que se passe-t-il? Je me sens encore faible, je préfère y aller. Oui, bien sûr, je comprends tout à fait. Tu es sûre que ça ira? Thank you.
que vous seriez Ambre? Qui êtes-vous? Hélène Gregg, je travaille pour ce journal. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais faire un article où je parlerai des enfants dans la société et j'aurais souhaité que vous me parliez des vôtres. Merci. Vous avez revu vos enfants? Non. Je ne les vois plus. C'est sans doute mieux comme ça. Vous savez où ils se trouvent? L'aîné est dans une institution. Je sais qu'il ne fait plus de cauchemars. Et ma tante a adopté mon bébé. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Ma tante n'est pas quelqu'un de la famille. On avait pourtant eu l'idée de la vendre à des étrangers. Vous avez voulu vendre votre bébé? Mon compagnon, Bruce. Mon ex-compagnon. Il avait tout arrangé. Il avait conclu un marché pour acheter de la coke. Et quel genre de marché? Du fric, c'est évident. Il aurait eu 10 000 dollars si on avait vendu mon enfant. Qui aurait acheté le bébé? Je crois que c'est un certain Jay. Vous l'avez rencontré? Vous voulez en parler? Il dirige une agence d'adoption. Ça s'appelle Alternative Adoption. Oui, voilà, je voudrais parler à Monsieur Mitchell. Oui, je suis Lynn Masters. Oui, est-ce que je pourrais lui parler personnellement? Aujourd'hui, si c'est possible. Bonjour, je m'appelle Lynn Masters, j'ai rendez-vous avec Monsieur Jay Mitchell. Bonjour, Jay Mitchell. Bonjour, ravie Lynn de vous Masters. Rencontrer. Enchantée. Je vous en prie. En général, mes clients sont d'un certain niveau social et professionnel. Certains d'entre eux sont mariés, d'autres non. Quant aux mères biologiques, la plupart d'entre elles sont des célibataires qui ne songent qu'au bien de leur bébé. Et... Mais en fait, chaque enfant a sa propre histoire. Alors, qu'en dites-vous? Il faudrait que j'aille leur parler. À qui? Aux parents. Oh, d'accord. Justement, je songe à quelqu'un qui devrait convenir. Elle a eu un magnifique petit garçon. J'aurais aimé parler à des parents adoptifs plutôt. À un client. Oh, oui. Lynn, j'ai peur que ce soit impossible. Nous ne pouvons pas révéler le nom de nos clients. D'ailleurs, vous non plus, vous ne seriez pas d'accord, je crois. Je ne voudrais pas vous forcer la main, vous savez, mais... Il faudrait que je prenne une décision très importante. Et je voudrais être assurée d'avoir fait le tour de la question avant de faire un choix. C'est important, je pense. Je n'ai pas droit à l'erreur. Mm-hmm. Je pense qu'on va trouver une solution. En tout cas, soyez sûr que je vais faire tout mon possible. Ok, je vais téléphoner au Wagner. Grâce à vous, nous sommes des parents comblés, Monsieur Mitchell. Tout s'est déroulé d'une façon extraordinaire en ce qui nous concerne. Et notre fils, lui, c'est le plus merveilleux des cadeaux qu'on ait imaginés. Ça me fait plaisir, en tout cas. C'est fantastique. Avez-vous pu voir la mère du petit? Non, et je conçois tout à fait qu'elle ait refusé de nous rencontrer. Oui, je préfère mettre les gens en rapport avec la mère biologique, mais... Ce cas-ci a été une exception. Oh, voilà mon angelot qui arrive. Oh, merci, Maria. Bonjour, mon petit cœur. Tu as fait un gros dodo, mon chéri. Hélène, est-ce que vous avez envie de le prendre? Oh, oui, je vous remercie. Alors...
alors, ah! Oh, waouh! Comment s'appelle-t-il? Michael. Salut, Michael. Oh, ce qu'il est adorable. Hélène, vous le fascinez. C'est étonnant de le voir aussi à l'aise avec un étranger. Oh, toi, tu as envie de nous parler. On t'écoute. Tu sais que tu es adorable. Vous avez été très naturel. Oui. Si vous êtes décidé, je lance le dossier. Je le suis. Vous vous sentez prête? Oui. Félicitations. Je me mets au travail. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Tu voudrais adopter un enfant? J'ai pris contact avec un service social. Et David, qu'en pense-t-il? Et toi, tu ne trouves pas que c'est une excellente idée? C'est évident que c'est une bonne idée. Je trouve juste que c'est encore un peu trop tôt. Je veux un bébé. C'est moi qui décide. Oh, alors, tu le ferais venir à l'insu de David et tu le cacherais dans une boîte, ça? C'est assez compliqué. Je t'appellerai. Encore oublié de ranger le lait dans le frigo. Non, je l'ai fait. Il est sûr. Oh, pardon. Hélène, je veux avoir des enfants de toi. On réessayera. Dès que tu te sentiras prête. Salut Doc, pas mal ta petite propriété. T'es vraiment pas à plaindre. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai besoin de matières premières. Je suis sur un bon coup, une divorcée qui veut pouponner. Qu'est-ce que tu t'imagines, que je fais apparaître les bébés d'un coup de baguette magique? Non Doc, sois un peu plus coopératif. Je sais que tu as toujours eu de bonnes combines. Il y a eu beaucoup trop de problèmes ces derniers temps. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des gens à l'hôpital qui n'hésitaient pas à voler les bébés. Il n'y a aucun bébé disponible. Tu avais parlé d'une enfant putain. Cette fille est aussi une droguée et son bébé a de graves complications. Non, ça c'est rien. Je voulais juste, disons, t'emprunter le gosse aujourd'hui, il servira de modèle, c'est tout. Ok. Prends Mia avec toi. Ça roule. Très plus tôt? Oui, une fuite de gaz à la salle de gym. C'est une blague? Non, tu m'aides? Non, désolé, j'ai pas le temps, je suis revenue pour me changer. Tu sais où se trouve le magnétophone de poche? Oui, sur mon bureau à l'école. Ah, c'est très gentil de ta part. Elle a l'air en bonne santé, cette petite. Britten exagère, elle a très bonne mine. Le bébé n'a rien du tout. C'est la mère qui a des problèmes. C'est quoi le diagnostic? C'est une ivrogne. Il faut qu'elle cuve sa boisson. Elle se rendra compte de rien. Dépêchons-nous, faut y aller.
Bonjour. Bonjour, Lynn. Ça va? Vous êtes en forme? Plutôt stressée. Écoutez, il n'y a pas besoin de brusquer les choses, ok? C'est à vous de faire vos preuves, non à elle. D'accord. Vous en faites pas, ça va aller. Salut, Moira. Voici Lynn Masters. Bonjour, Moira. Je suis ravie de vous rencontrer. Entrez, je vous prie. Merci. Ah, et voilà le bébé. Elle s'est endormie. Ok. Oh, comment est-ce qu'il s'appelle? Elle s'appelle. Oh. Jade. Jade, c'est vraiment adorable. Quel âge est-ce qu'elle a? 20 jours. 20 jours? Waouh! Vous avez déjà retrouvé une taille de cœur. Elle a un look d'enfer. Je vais aller faire un peu de café. C'est gentil, un verre d'eau me suffira. Est-ce que vous prendrez un peu de glace avec votre eau? D'accord. Alors, tes enfants? Salut, jolie fillette. Qu'est-ce qui t'a pris de te conduire de cette façon? J'ai déjà vu cette femme, Jay. Ah oui? Et où est-ce que tu l'as vue? Je me suis occupée d'elle. À l'hôpital. Écoutez, Lynn, Moira est un peu réticente. Je crois qu'on devrait la laisser. Pourquoi? Elle a changé d'avis? Ben voilà, je voudrais pas vous décevoir, Lynn, mais elle voudrait réfléchir encore un peu avant de donner son bébé. Oh. Mais si j'allais la voir, si j'essayais d'en discuter avec elle? Non. Il faut la laisser. Ouais. Ouais, je pense qu'elle est encore trop fragile. Ça va peut-être s'arranger. Stop! Ne bouge pas, pas un pas de plus. Je suis pas vraiment d'humeur à ça. Je comprends, je sais que tu es très fatiguée, chérie. J'en ai assez, tes petits jeux. Attends, il faut que je te fasse tourner, c'est de la magie. Tu vas voir ça, c'est formidable. Pourquoi veux-tu faire ça? Tu sais bien que j'apprécie pas du tout. Et voilà. Oh. Extraordinaire, non? Tu n'as pas fait ça? Mais bien sûr que si. J'ai préparé ce festin tout seul avec l'aide du fou. David, mmh. Il y a quelque chose dont je dois te parler. Dis-moi. Nous n'aurons jamais d'autres enfants. Qu'est-ce que tu dis? Mon utérus a subi de très graves lésions. Bonjour. Oui.
J'aimerais voir quelqu'un, une infirmière qui s'appelle Moira. Nous avons la même taille. Ses cheveux sont blonds, assez courts, et elle a les yeux plutôt foncés. Elle est facile à reconnaître, elle a un air à la Kirk Douglas. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, je crois qu'il s'agit de Mia, ça doit être elle. Mia? Est-ce qu'elle travaille avec le docteur Britton? C'est possible. Je vais vérifier. Mia... elle est en congé. Vous savez quand elle revient travailler? Ah, elle travaille demain. Et à quelle heure? Un instant. Elle devrait arriver à 8 heures. Merci, docteur. Je vous en prie. Docteur Britton? Docteur Britton? Qui est-il? Excusez-moi, Hélène Gregg. Je me souviens de vous, bien sûr. Alors, ça va? Ça va, je crois. J'aurais voulu discuter avec vous. D'accord, très volontiers. Eh bien, de quoi voulez-vous qu'on parle? De Mia, votre infirmière. Mia? Rien qu'une petite minute, d'accord? D'accord. Allons nous asseoir. Ok. Si vous travaillez pour un journal, pourquoi ne pas expliquer aux gens la façon dont est géré le secteur des soins de santé dans ce pays? Dites-leur comment on se démène tous pour fournir un service de qualité. Excellente idée. Hélas, pour vous, j'enquête sur les procédures en matière d'adoption. C'est pour ça que j'aurais voulu voir Mia. Mia est l'une des meilleures. Je suis certain qu'un jour ou l'autre, elle aussi ira travailler ailleurs. Pourquoi ça? Si vous jetez un œil autour de vous, vous constaterez que c'est assez sinistre. Alors comme ça, vous enquêtez sur l'adoption? Je vais principalement me baser sur une agence. Il s'agit d'Alternative Adoption. Mia vous en a-t-elle déjà parlé? Non. Vous a-t-elle parlé de Jay Mitchell? Qui? Jay Mitchell. Jay Mitchell, non. J'ai eu l'impression qu'ils se connaissaient, en tout cas. Ce sont leurs affaires. Je ne suis pas censé connaître la vie privée de mon personnel. Je suis désolé, mais je pense que je n'ai guère fait avancer votre enquête. Je vais chercher d'autres sources. Très bien. Je dois reprendre le travail. Bien sûr. Alors à plus tard et bonne chance. Merci. Jay, où es-tu, bon sang? Il faut que je te voie. Je pense qu'on a de sérieux ennuis. Allons-y, chers collègues, ne perdons pas de temps. Voyons si elle est chez elle. Serais-tu victime de ton imagination? Ah, c'est ça. Ça, c'est illégal, ferme ça tout de suite. Excusez-moi, savez-vous si votre voisine est partie? Mia, elle travaille. Vous savez où elle travaille? À l'hôpital, elle est infirmière. Je dois dire que c'est très rassurant d'avoir une telle voisine. Au revoir. Ok, c'est vrai, elle est infirmière. Seulement, qu'est-ce que ça prouve? Tu ne crois pas que tu devrais la convoquer? Hélène, il est hors de question que je la convoque. Elle n'a commis aucun crime. Mentir, c'est pas un crime? Toi, tu as dit que tu étais Lynn Masters. Est-ce que je dois t'emmener au commissariat et te faire subir un interrogatoire? Je te dis qu'à l'hôpital, elle n'était pas enceinte. Alors fais ton travail, ouvre une enquête. Écoute, Cindy, je te répète que la petite fille que j'ai vue l'autre jour n'était pas l'enfant de cette femme. Hélène, tu as aussi rêvé que tu avais eu un bébé. Crois-moi, ce sera difficile de prendre cette histoire très au sérieux. D'accord, je suis peut-être perturbée. Mais je me souviens très bien d'elle maintenant. Ok, tu es sûre que c'était la même personne? J'en suis absolument certaine! Alors, on en rediscutera. Ouais, c'est ça. Écoute, ça va, je crois que j'ai compris. T'es butée, toi, alors? Cindy, tu te fais du mal. Tu te mets des idées en tête? Je te jure que je vais y réfléchir.
Bonjour, Mia. À quoi jouez-vous? Ma conduite était justifiée. Discutons-en, voulez-vous? À qui est ce bébé? Vous essayez de me fuir, n'est-ce pas? C'est vrai, je vous ai menti. Mais je lui cherche des parents. Pourquoi? Elle est orpheline? Non, elle a sa mère ou ce qui en reste. Vous êtes ignoble, Mia. Je ne voulais pas vous la présenter. Je savais bien que vous auriez refusé le bébé. Enfin, vous ne pensez pas que j'étais en droit de savoir, hein? Auriez-vous adopté ce bébé si vous aviez su que sa mère prenait de la coke pendant sa grossesse? Non, je suis sûre que non. Ça, c'est un choix qui ne vous concerne en rien, d'accord? Vous savez bien que ces enfants-là n'auraient aucun avenir de toute façon. Nous voulons les aider. Quelle différence, dites-moi, s'ils sont heureux? À combien d'autres mamans avez-vous enlevé leur enfant? Communiqué qui peut t'intéresser. Hélène? Hélène, tu viens dans mon bureau, je voudrais te parler tout de suite. Hélène, est-ce que tu travailles toujours avec moi ou est-ce que tu fais cavalier seul? En ce qui me concerne, j'ai confiance en toi. Mais j'attends toujours tes articles. Je pense que j'ai un bon sujet, mais je dois encore y travailler. Et c'est beaucoup plus important que le reste, je vois. C'est quoi? Ça concerne des procédés d'adoption très douteux. Tu parles d'un marché de bébés. Il s'agit d'une agence. Écoute, Hélène, j'ai eu l'idée d'un reportage qui devrait te plaire. Tu sais, il y a une communauté coréenne assez importante ici. Et le maire essaie tout doucement de lutter contre cette main-d'œuvre asiatique qui travaille surtout dans le secteur de la construction. Et il lutte aussi contre les entreprises qui travaillent en noir. Je trouve que c'est un excellent sujet. J'ai déjà un sujet, Sai. Voyons, cette histoire d'adoption n'a vraiment aucun intérêt. Écoute, Sai, je mène une enquête bien plus importante. Non! C'est moi qui décide. Tu as une page à écrire dans la rubrique Société de ce journal et je voudrais la lire avant ce soir, alors au travail. À vos ordres, chef. De cet accident. C'est ton fait divers, Ronnie? Oui, t'as deviné. Ah, je vois. Qui a fait ces photos? Le nouveau. Ah, le nouveau. Le nouveau a encore certaines choses à apprendre. Il n'a photographié que la moitié du visage. Nous avons son profil droit, n'exagère pas. On ne voit que ça, en effet. Dis à ton photographe de chausser des lunettes. Ronnie, Qui est cette femme? Forbes. Mia Forbes. Que s'est-il passé? Elle a été renversée par une voiture de sport. Le chauffeur a pris la fuite. Il y avait un témoin et il n'a pas eu le temps d'identifier la marque. Je connais cette femme. Ah oui? Et d'où? Hier après-midi, je suis allée la voir et elle était impliquée dans cette affaire douteuse d'adoption. Tu crois qu'il y a un lien à faire? Oui, je pense. D'accord, je prends. À juger. Il faut que tu me donnes les informations dont tu disposes. Je veux connaître toutes les circonstances qui entourent l'accident, ça va?
Providence, c'est la première fois? Que je vais à la morgue, non. Ce n'est qu'un cadavre, essaie de ne pas dégueuler sur moi. Salut, ça va? Salut. Voici Hélène. Bonjour. Enchantée. Lui, c'est Ron. Vous voulez jeter un œil? Oui, elle. Approchez, vous verrez mieux d'ici. D'accord. C'est elle. Ça suffit? Oui. Ton diagnostic? Il y a tout lieu de croire que c'est un homicide. Si je vous suis bien, on doit déjà écarter la thèse de l'accident. Elle a un grand nombre de fractures et les jambes brisées à ce niveau, ici. Le choc a dû être terrible, c'est clair. Cela prouve que le chauffeur n'a pas freiné. Il a accéléré plutôt. Oh, oh, oh. Toi, Hélène, tu n'interviens pas, d'accord? Regarde ça, il a déjà vidé les lieux, Cindy. Oh! Y a quelqu'un? Inutile, chérie, le bâtiment est alloué. C'est lui. Il l'a tué. Non, Hélène, attends. Il est encore beaucoup trop tôt pour faire de lui un meurtrier. Oh, alors pour quelle autre raison aurait-il cessé ses activités aussi soudainement? Je n'en sais rien, je ne pourrai répondre à ta question que quand on aura retrouvé le gars. C'est à ça que servira l'enquête. Inutile de tirer des conclusions avant d'avoir assemblé tous les morceaux du puzzle. Bon, le mieux, c'est d'envoyer Thorpe au service social et de voir combien de ses adoptions ont été enregistrées. Tu veux savoir ce que j'ai en tête? Vas-y. Mia devait fournir des bébés. Or, moi, je me dis que dans un hôpital, ça ne devrait pas être très compliqué de trouver des enfants dont les mères ne voulaient pas. Ça y est, tu te prends encore pour un flic. Tu viens? Des dossiers. Bon sang, s'il faut éplucher tout ça, mais on va devoir y passer la semaine. Ça dépend. Vers où voulez-vous orienter vos recherches? Tout ce que vous avez comme document concernant Mia Force, ses horaires, les services où elle travaillait. Quel âge as-tu dit que le bébé avait? 20 jours. Les 4 dernières semaines avant son décès. Génial. Voilà, c'est ici. Alternative adoption. Ça, c'est étrange. Une seule adoption le dernier mois? C'est la moyenne des autres agences. Vous voulez consulter tout le dossier? Oui, merci. Rien concernant mon admission et toi? Rien du tout. D'ailleurs, rien ne nous indique que c'était le docteur Britten qui était de garde le jour où tu es arrivée. Et je sais qu'il y avait un autre accouchement pendant que tu attendais, et c'est pour ça que ça a pris aussi longtemps. Excusez-moi. Il n'y aurait pas une autre façon de savoir combien de bébés sont venus au monde au service des urgences le 3 mai dernier? Bien sûr, dans le registre de mai. Ah, ici, Mia, voici. D'accord, laissez-moi voir ça. Ça paraît un peu confus, mais si les gens sont hospitalisés par le biais des urgences, leur nom se retrouve ici. Ok, regarde la liste de gauche, on vérifie ensemble. Allons-y. Tu as quelque chose au nom de Jones? Oui. Et au nom de Blackham? T'as trouvé? C'est bon. Ensuite, Riddle? Ou Ribble, un truc dans le genre? C'est bon. Luca? Je l'ai. Et ici, une patiente du docteur Britten, Sulovic. Aucune trace. Je ne vois rien me concernant et je ne vois rien concernant Sulovic. Deux patients du docteur Britten, merci. Vous savez où se trouve le docteur Britten? Docteur Britten, je voudrais vous présenter une amie, Cindy Wilson. Inspecteur Cindy Wilson. Est-ce que vous savez que Mia Forbes a été tuée dans un accident de la circulation hier soir? Mia, oh mon Dieu. Non. C'est vraiment affreux.
Vous n'êtes pas au courant? Non, je n'étais pas au courant. Elle devait venir travailler, non. Nous avons jeté un œil sur une liste de rapports d'accouchement auxquels Mia avait assisté. Or, deux de vos dossiers s'avèrent manquants. Pouvez-vous dire pourquoi il manque de rapports? Vous savez, les dossiers disparaissent tous les jours de l'hôpital. Vous souvenez-vous de vos interventions du 3 mai dernier? En fait, je ne peux pas vous donner de réponse précise parce que... Pensez bien que si nous n'avons plus de traces des dossiers, il est particulièrement difficile de s'en souvenir. Dans ce cas, je vais vous rafraîchir la mémoire. Ce jour-là, vous avez mis au monde l'enfant de Soulovic un peu avant 10 heures. J'étais ici avec Hélène, je me souviens très bien de vous. En effet, c'est tout à fait possible. Oui, évidemment, je me souviens d'Hélène. Mais vous savez, j'ai déjà retourné le problème dans ma tête des milliers de fois et je sais que je ne pouvais rien faire d'autre. J'ai tout fait pour le sauver. Il a ressassé ton cas des milliers de fois. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu oublier un bébé qu'il a vu naître quelques minutes auparavant. Alors quoi de neuf? Hélène? Bonjour. Voilà, Jay Mitchell n'a réalisé qu'une adoption ces dernières semaines. D'accord. Wagner? D'où tu sais ça? Nous avons été présentés. Qui est la mère biologique? Suzanne Lovick. 18 ans, étudiante. Où étais-tu passé, Jay? Eh bien, grâce à ta patiente qui me colle au cul, j'ai pu fermer boutique. Oui, tu te souviens celle à qui tu avais volé le bébé? Eh bien, tu sais quoi? Elle est journaliste. Tu as su pour Mia? Non. Non, je l'ai plus revue. Elle est décédée, Jay. Quoi? Attends, c'est une plaisanterie ou quoi? Renversée par un chauffard, t'as pas une idée? Attends, qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Non, tu deviens fou, ma parole. De toute façon, ce sont tes affaires. Moi aussi, j'ai un petit problème. Tu sais, cette femme dont tu parlais, elle a alerté la police. J'ai le sentiment que tu y es pour quelque chose. Tu dis n'importe quoi, j'ai les flics à mes trousses et je suis obligé de fuir. Allô? Doc? Cette fois, t'es paumé, Jay. J'ai foutu. Lovick? Oui. Excusez-nous, avez-vous une minute? Vous voulez me parler? Oui, de votre bébé. Bébé? J'ai l'air d'avoir eu un bébé. Gagné. Je vais me calmer. Ouais. Excusez-moi. Vous n'avez pas accouché à l'hôpital Mémorial le 3 mai dernier? J'ignore de quoi vous êtes en train de parler. Hélène, laisse-moi m'en occuper. Hey! Tu vas arrêter cette musique? Cette musique. Hey, fous le camp. C'est punissable.
Comment connaissez-vous le docteur Britton? En fait, quand j'ai eu la certitude d'être enceinte, je me suis rendue là, à l'hôpital Mémorial. Une de mes amies s'y était déjà rendue. Je savais qu'ils étaient plutôt discrets. Il vous a donné de l'argent? Oui, de façon tout à fait légale. Combien? $5,000. Mais peut-être que c'était plus, j'en sais rien, c'était déjà une certaine somme. Je croyais que je devrais tout rembourser. Je veux dire, suite au décès du bébé, mais je n'ai pas dû le faire. Votre bébé est décédé? Oui. C'était horrible. J'ai traversé cet enfer toute seule. Vous en êtes sûre? Accident respiratoire. Son bébé est décédé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Wilson. Ouais, Cindy, c'est Thorpe. Je crois qu'on a retrouvé Mitchell. Au Rancho Motel, sur la 16e. J'arrive tout de suite. Ils ont peut-être retrouvé Mitchell. Allons-y. Il faut parler au Wagner. Laisse les Wagner tranquilles. Il n'y a aucune urgence. Bon, je voudrais pas que tu tires trop vite de conclusion. Je te ramène chez toi, d'accord? Ok. Alors, tu l'as tué? C'est exact. Tu es cinglé. Elle en savait trop. Non, elle en savait trop. C'est ça. Et alors? Mia serait devenue dangereuse. Tu joues les docteurs Jekyll ou quoi? Moi, j'ai pas envie d'être impliqué dans cette affaire. Je crois que tu n'as guère le choix. Non, c'est faux. C'est toi qui as décidé qu'il fallait la tuer. Il faut que tu ailles chez les Wagner et que tu ramènes le bébé. Le ramener? Et pourquoi? J'ai volé ce bébé, tu te souviens? Il est extrêmement urgent que tu m'amènes ce bébé parce que les flics proposeront sans doute de faire un test ADN. Ta situation est intenable. Non, 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 c'est notre situation, tous les deux, qui est intenable. Parce que si je dois couler, tu couleras avec moi de toute manière. Disons que j'ai le bébé. Je fais quoi? Tu le tues. Non. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord, ça c'est ton rayon. D'accord, je le ferai. En un, tu récupères ce bébé. En deux, tu vas à l'hôpital. C'est là que je m'en débarrasserai. Si j'étais toi, je songerais à me débarrasser de la voiture. Ça va te faire du bien d'aller prendre l'air. À tout à l'heure. Bon amusement. Thank you.
faut que je te voie une seconde. Tout de suite. Vous pouvez lire l'explication en dessous. David, je crois que j'ai retrouvé notre bébé. Chérie, de quoi tu parles? Je te parle de notre bébé qui est vivant et je vois que tu ne me crois pas. Chérie, j'ai vu notre bébé et j'ai vu qu'elle était sans vie. Non, on a été floués. C'était à l'hôpital. Ils ont échangé deux bébés. Voyons, Hélène. Qu'est-ce que je suis censé penser, moi, quand j'entends une chose pareille? Chérie, je t'adore. Il faut que tu me crois. Accompagne-moi. J'ai eu notre bébé dans les bras, David. Chérie, je t'adore aussi. Si tu retournais à la maison, c'est promis, je serai là dans une demi-heure. On en rediscutera tous les deux. David. Bon, attends. David. Du calme, retournez à vos places. Comment allez-vous? Lynn? Madame... Madame Wagner. J'ai certaines raisons de penser que... que ce bébé est le mien. C'est une histoire très compliquée, je vous assure. Et je ne suis pas Lynn Masters. Lynn. Non, en fait, je suis Hélène Gregg. Attendez, Lynn, qu'est-ce que vous faites? Je m'appelle Hélène Gregg. Maria! Où se trouve le bébé? Écoutez, personne ne vous a permis de rentrer ici. Non, attendez. Madame Wagner. Madame Wagner, je suis Hélène Gregg et pas Lynn Masters. Je suis journaliste. Oh, Madame Wagner, ils nous ont menti. Mon bébé est vivant. Mon bébé est vivant. Le docteur Britton a volé mon bébé. Et moi, écoutez. Je suis navrée de vous dire ça, mais c'est mon bébé. Non, Hélène. À Hélène, moi, c'est mon bébé. Non, je vous... qui est ce docteur que vous mentionnez? Mais s'il vous a pris votre bébé, vous feriez mieux d'aller le trouver. J'ai un peu de rangement à faire. Pas trop de travail? Ça va, on s'en sort. Torf! J'arrive, je vais vérifier les réservations. Ok. Allô? Salut, Doc. C'est moi. Tu as le colis? Ouais, je l'ai. Ok, attends-moi près de l'ascenseur de service au rez-de-chaussée. Hey, t'inquiète. Il ne te fera rien, tu sais. T'inquiète pas.
On va pas le laisser faire ça. Merci. Oh, un seul coup de fil. Oh, je connais ce numéro. Ah! Bon, un coup de fil. Au docteur Britton. Et on vient d'apprendre autre chose. Quoi? On a volé le bébé des Wagner. Oh non! Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Le fils des Wagner a été enlevé à proximité du parc. Son père était en train de jouer au golf. C'était quand? Il y a une heure. C'est Madame Wagner? Madame Wagner, inspecteur Wilson. Elle a volé mon bébé. Qui a volé votre bébé? Hélène Gregg. En tout cas, c'est comme ça qu'elle s'est présentée. Cette fois, elle m'a dit qu'elle était journaliste. Elle m'a parlé d'un médecin, elle avait l'air très perturbée. Elle est entrée dans la chambre du petit, mais moi je l'ai chassée. Et voilà que le bébé a disparu. Est-ce que votre mari a vu quelqu'un en train d'enlever le bébé? Non, mais je sais que c'est elle. Bon, bon. Faites votre déposition. De notre côté, nous allons tout mettre en œuvre pour vous ramener le bébé. Où est Hélène? Elle est venue ici il y a une heure. Elle a dit qu'elle voulait aller chercher notre bébé. Oh non! J'ai téléphoné un peu partout, mais j'ai pas réussi à la joindre, ni au journal, ni chez nous, à moins qu'elle ait laissé sonner le téléphone. Non, mais non, on a déjà vérifié. Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle est. Écoute, je vais la retrouver, il faut que je la retrouve. Cindy? Cindy? Heureux de te revoir. C'est quoi ça? Des Maccabées. Écoute, Doc, je crois que notre collaboration est arrivée à son terme. D'accord? D'abord, tu m'impliques dans une affaire de kidnapping et maintenant dans une affaire de rapt et de meurtre. Alors, je te propose un dernier marché. Si tu veux le gosse,
ça te coûtera 60 000 $. Dis donc, tu veux rire? Tu sais que je n'ai pas autant d'argent. Ok, si tu refuses de casquer, alors je garde le gosse. Quoi? Franchement, Doc, tu te sens vraiment capable de lui faire ça? Non, moi je crois qu'on a des visions très différentes de la vie. Il ne va pas souffrir. Crois-moi. C'est quoi ça? Poisson d'avril? Où est-ce qu'il est? Volant. Vous? C'est les Wagner qui ont mon bébé. Si vous voulez votre bébé, ne me laissez pas ici. Est-ce le mien? Oui, c'est le vôtre. De mon bébé, je vous tue. Oh non, non, je crois que vous faites erreur. Jay et Mia ont enlevé votre bébé. Jay a tué Mia et ensuite il a voulu tuer votre enfant. Je n'ai fait aucun mal au bébé. Vous êtes responsable de ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas un criminel, je suis médecin. Ne me touchez pas! Non! Non! Oh! 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 Oh!
Mercedes en état d'arrestation. Oh, mon bébé. Salut, toi. C'est elle qui avait raison. C'est ce que j'essaie de vous dire. Et si vous nous racontiez tout depuis le début, vous, le grand bavard? D'accord. Je meurs de soif si vous me donniez un peu de jus d'orange. On cause. En tout cas, je pense que ça peut faire la une. Ah oui, tu crois? Oui, c'est sûr. Sauf si Ronnie ramène un truc plus palpitant. J'en doute fort.